On peut dire. អង្គជំរះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីតុលាការនិងផ្ដល់វិធានការជូនទៅសហប្រញ្ញាដើម្បីបន្តការតាំងសម្រួលឥណ្ឌូលចំពោះសាក់សី Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je voudrais revenir un instant sur ce que vous avez dit à propos de la réunion, des réunions auxquelles vous avez assisté au secteur 13, une réunion qui était présidée par Tassom, et vous aviez dit qu'on y avait parlé de purge des ennemis internes et externes, et notamment ceux qui avaient de la sympathie ou les partisans de l'ONOL ou qui avaient des mauvaises tendances. Est-ce que vous pourriez nous dire, essayer de vous souvenir des propos exacts qui ont été tenus par Tassom concernant les ennemis? Qu'a-t-il dit précisément, si vous vous en souvenez? ខ្មាំងអញ្ចឹងសូមលោកព្យាយាមនឹកឡើងវិញថាគាត់បាននិយាយអីជាក់លាក់តកតងនឹងខ្មាំងនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបទៅលោកគ្រាបថាការនិយាយរបស់សម្អាតខ្មាំងរបស់ប្រធានតំបន់ពេលនោះគឺកត្តាសំខាន់ហ្នឹងគឺអ្នកដែលប្រឆាំងនឹង Bon, et vous aviez dit à la réponse 30, procès-verbal E3-55-21, que les opposants étaient envoyés suivre des sessions d'instruction, qu'après on ne les voyait pas revenir. Quel était l'échelon du pouvoir qui avait le droit de décider qui serait envoyé en session d'instruction? Était-ce la commune, le district ou le secteur? សូមជម្រាបថាពេលនោះមានតែតំបន់ឬភូមិភាគទេដែលមានសិទ្ធិសម្រេចហៅនរណាមួយឲ្យទៅរៀនសូត្រខាងឃុំក៏មានតួនាទីទេ Donc la commune se contentait elle de faire des rapports uniquement sur les incidents qui manifestaient une opposition de certaines personnes. Est-ce que c'est correct? Lorsque vous parlez de session d'instruction, s'agissait-il d'envoyer les personnes pour lesquelles le secteur ou la zone avait décidé qu'il fallait les envoyer en session d'instruction, fallait-il les envoyer à un centre de rééducation? Est-ce qu'à l'époque du Kampuchea démocratique, vous avez jamais entendu le nom de Ta An, directeur du centre de rééducation du district? Ta An nâng lưu chmoh bàn kèm mần đai qua qua tế, vô kháng gà chán kèm lưu đại chmoh, hoài Ta An nâng lưu chmoh xôm bay gà nạ khum mần đai tộc biệt nâng tế,
Somakun. Vous avez dit ceci dans votre procès-verbal E3/55/21 à la réponse à la question 41. Donc question 41, je cite, est-ce que vous savez quelle était la personne qui a signé les lettres qui ont désigné les gens qui devaient être arrêtés et envoyés aux sessions d'instruction? Vous avez répondu, c'était les hommes de la sécurité qui ont écrit des lettres aux agents secrets de la commune. Et plus tard, dans la réponse 42, les agents secrets faisaient des comptes rendus à la commune et seuls les agents secrets avaient le droit d'effectuer des arrestations. Alors ici, vous parlez d'hommes de sécurité, de la sécurité, qui écrivaient aux agents secrets. Que voulez-vous dire avec cette expression « homme de la sécurité » ? S'agissait-il des responsables de la sécurité de la commune, du district ou de la région, ou bien toute autre personne chargée de la sécurité dans cette région-là ? Donc, vous parlez ici, ça a été traduit agent secret, vous voulez bien dire milicien, autrement dit les chlops de la commune, c'est ça? Bien, j'en viens aux coopératives et aux différentes unités. Vous avez dit que les coopératives avaient été créées sur la base d'une catégorisation de la population en trois unités. Vous avez dit qu'il y avait les habitants de plein droit, les habitants candidats, c'est-à-dire les habitants de la base qui avaient des parentés qui ont été exécutés par l'encart, ou encore que leurs enfants ou petits-enfants avaient été impliqués dans l'ancien régime, etc. Et enfin, vous avez parlé d'habitants halogènes ou des déposés. Et vous avez précisé qu'il s'agit des déportés de la ville de Phnom Penh. Lorsque les unités de coopératives basées sur cette catégorisation d'habitants ont été créées, où les trois unités ont-elles été basées dans votre commune? Est-ce que c'était trois unités basées dans différentes localités? សូមជម្រាបថាការរៀបចំសហការនេះគេបែងចែកដោយលោកមានប្រសាសន៍ហើយជាជនពេញសិទ្ធិជាជនត្រៀមជាជនបញ្ញើរឿងនេះគេបានជម្រាបរួចហើយវាជាជននឹងគេធ្វើផ្ទះចែកជាកងបាទកងនីមួយៗមានកងលេខ 1 លេខ 2 រហូតលេខ 7 អញ្ចឹងទៅ Est-il correct de dire que les habitants de plein droit étaient dans l'unité, la première unité, les habitants candidats dans une seconde unité et les habitants confiés dans une troisième unité? Est-ce qu'ils se trouvaient dans des localités différentes? ใบประเภทนั้นมันใบกองแล้วใบประเภทนี้คือนูได้ปีคเนีย
cong mà cong mùi bộ phê chân tấu mà cong mùi bộ phê và tạm càng nghe chạy xa đánh phùm nà tịch cong có tịch tấu phùm nà chạy ơn mà miền buôn prạm bộ mùi cong chân tấu D'accord. Est-ce qu'il y avait des unités composées uniquement de 17 avions? Lorsque cette catégorisation de la population a été faite, est-ce que vous étiez encore à Ninyan ou est-ce que vous étiez déjà dans la commune de Sré-Ronon? Bien, à quoi nous avons placé au camp comme Sré-Ronon, oui. Est-ce que les travailleurs de la première catégorie, c'est-à-dire les habitants de plein droit, vous avez dit tout à l'heure qu'ils étaient considérés comme loyaux envers le parti, est-ce que le parti considérait ces travailleurs comme étant les plus purs? Est-ce que les travailleurs de la deuxième catégorie, c'est-à-dire les habitants de la base, mais qui avaient une affiliation, qui étaient impliqués, est-ce qu'ils étaient moins dignes de confiance que ceux de la première catégorie? Tục chất bị phố hồ chê chôn nế chìa nẹ nâu rù nâu cơ nâu đông mù lạc thàn. Bọn ta khai nè miên khai nè miên kran tài miên bong ôn nhiệt mất sạch xa là hết. Nâu cơ nông đồng bọn khám ăn bọn nâng kì chặt tục thá. Vô chê vò rát triêm. Triêm bòm rong nâng lãng tư phình sứt. Xong hò cun. Concernant les 17 avril, ceux qui venaient de la ville, qui avaient continué à vivre dans les villes occupées par l'ONL, étaient-ils regardés par les cadres du régime comme n'étant pas dignes de confiance du tout? Est-ce que vous avez entendu l'expression « prisonnier de guerre » qui est utilisée pour désigner les gens du 17 avril? Rồi mó về hào thà phải chia chuẩn chùm liếc chanh bị cọng.
Alors, je vais lire un extrait de votre procès-verbal d'audition E3/55/21. Vous avez dit, à la réponse 47, les gens n'avaient pas assez à manger. Il y en avait qui devaient se contenter de soupe de riz. Fin de citation. Qui devait se contenter de soupe de riz? Est-ce que c'était les gens de la catégorie 1, 2 ou 3? មានបបរហូបបបរទាំងអស់គ្នាហូបទាំងអស់គ្នាអត់មានប្រភេទទី1ទី2ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងឃុំខ្ញុំនៅស្រែរណងដប់ថ្ងៃរៀបចំបបរគ្រឿងម្ដងមកពេលហើយនឹងកាប់គូកាប់ជ្រូកមកពេលក្នុងរយៈកាល10ថ្ងៃ nên nó còn không xài nông không đã tây tiết cho mình bàn đằng ấy. Monsieur le témoin, vous apparteniez à quelle catégorie? La catégorie 1, 2 ou 3? Ba cầm mình vô sầm nua này. Est-ce que vous étiez un habitant de la base qui appartenait à la première catégorie de gens selon la classification des Khmer Rouges? Ou bien étiez-vous classé dans la deuxième catégorie parce que quelqu'un dans votre famille avait des liens avec le Khmer? Ou éventuellement étiez-vous quelqu'un de déporté de Phnom Penh? ខណៈខុំនឹងបន្តមិនតាន់បានចូលប្រភេទទី1ទេខណៈខុំនឹងបន្តមិនតាន់បានចូលក្នុងប្រភេទទី1ពីព្រោះប៉ុលពតបាត់យកប្អូនក៏មួយបាត់កូនប្រុសច្បងរបស់ខ្ញុំមួយបាត់អញ្ចឹងគឺជាវិជាជនត្រៀមប៉ុនតែទួលនីតិគេថាអ្នកនឹងធ្វើការល្អស្មោះត្រង់អញ្ចឹងឲ្យឡើងទៅឆ្នាំ1977 77 78 Est-ce que vous étiez membre du Parti communiste du Cambodge quand vous étiez chef de commune de Srairanong? ខ្ញុំសូមជម្រាបថាជាបកជនត្រៀមមិនតានជាបកជនពេញសិទ្ធិទេជាបកជនត្រៀម Vous avez dit à la réponse 51, la plupart des malades étaient ceux du 17 avril, parce qu'ils n'avaient pas d'expérience pour pouvoir s'adapter à la vie, à la campagne. Question 53, toujours le même procès verbal. À ce moment précis, qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient. Vous avez répondu que la mort avait bel et bien existé. Si la plupart des malades étaient ceux du 17 avril, y a-t-il eu progressivement de moins en moins de travailleurs du 17 avril dans la commune de Mingnan au fil des années et dans celle de Srairanong également? បាននៅខាងឃុំស្រែរណងដែលកម្មតនៅកន្លែងហ្នឹងដោះស្រាយជីវភាពបានមកចំនួនប៉ុន្តែអ្នកឈឺនៅតែមានទេបាទវានៅតែឈឺមានបញ្ជូនពីមុនហ្នឹងមានបញ្ជូនទៅពេទ្យតំបន់នៅអង្គរនៀបបាទ Je
Je voudrais maintenant présenter le document E3-2436 au témoin et le faire afficher à l'écran avec votre autorisation, Monsieur le Président. C'est un rapport. Il s'agit d'un rapport de la commune de Ningyang, signé par Min, et qui est adressé à l'encart du district le 28 avril 1977. Ce rapport concerne une personne qui est appelée Mu Pon, du peuple nouveau, qui était un militaire de l'ancien régime. Au paragraphe 3 de ce rapport, Min critique Mu Pon de la façon suivante, je cite, « Lorsqu'il a été affecté aux travaux de creusement de canaux, Mu Pon a refusé de s'y rendre, sous prétexte qu'il était trop grisé et exténué pour porter la terre à la balance. » Quand on l'a affecté à la fabrication des engrais, il a répondu qu'il avait mal au ventre, incapable de l'exécuter. Il ne travaille presque jamais, il est très malin. Je précise qu'il n'est pas maigre, mais très gros. Est-ce qu'il arrivait souvent que les gens soient trop exténués pour travailler dans les coopératives, monsieur le témoin? បាទនៅឃុំស្រែរនងអត់ដែលមានមនុស្សហត់ហេវខ្លាំងទេនេះឯកសារនេះឯកសាររបស់ឃុំញញងហើយញញងនេះខ្ញុំចេញទៅបាត់ហើយទៅស្រែរនងបាទសូមអរគុណ Finalement, pourriez-vous nous repréciser quand vous avez quitté la commune de Ningyang? Parce que là, il s'agit d'un document daté du 28 avril 1977. Et tout à l'heure, je vous ai montré un document daté du 2 juin 1976. Et à chaque fois, vous avez dit que vous aviez déjà quitté la commune de Ningyang. Donc, à quel moment avez-vous quitté cette commune? Je vous ai dit que vous aviez déjà quitté la commune de Ningyang. Donc vous êtes d'accord pour dire que ce rapport que je viens de lire, c'est daté du 28 avril 1977, a été établi lorsque vous étiez toujours sur place à Ningyang. Autre question, est-ce qu'il arrivait souvent que des malades soient accusés de simuler des maladies pour ne pas travailler? Est-ce que vous avez entendu ça? Au bas du rapport que je viens de lire, donc E3-2436, il y a une note manuscrite. C'est signé par un certain Kut. Cette note autorise l'arrestation du dénommé Mu Pon. Savez-vous qui était ce Kut et quelle fonction il occupait à l'époque?
Merci, j'aurai deux autres documents à vous remettre. Je demanderai également d'afficher, M. le Président. Il s'agit du document E3-2450 et du document E3-2453. Alors, concernant le premier, E3-2450, les IRN sont les suivants. En Khmer 0027-0748. En anglais 00-32-2163. Et en français 0062-3749. Là, il s'agit d'un rapport qui a été envoyé par le chef de la commune de Ningliang ou son adjoint qui est appelé Min, envoyé au chef de la prison de Krung Tachan, Ta An. Ce rapport concerne une femme de la commune de Ningliang qui est appelée dans ce document O-A. Elle était la femme d'un lieutenant-colonel du régime de Lonnol qui avait été arrêté sur recommandation de l'Ankar parce qu'elle s'était plaint du fait que, et je cite, « faire la révolution est très pénible, il faut travailler jour et nuit et on mange de la soupe de riz. Je ne sais pas vivre dans cette situation. » Fin de citation. Le deuxième document, E3-2453, IRN en Khmer 00-27-07-80-81. En anglais 00-38-85-83. Et en français 00-61-17-73. Là, c'est un rapport daté du 6 octobre 1977 qui est adressé au district par la commune de Ningliang et qui est signé par SIM. SIM dénonce des femmes de militaires qui avaient critiqué la révolution parce qu'elles, je cite, n'avaient rien à manger. On ne mangeait que de la bouillie de riz. Alors que sous l'ancien régime, c'était vraiment bien. Et ces femmes de militaires disent que la nourriture sous l'ancien régime était suffisante et que les gens s'amusaient. Qu'arrivait-il aux personnes de Ningliang qui se plaignaient du manque de nourriture, des difficultés des conditions de vie ou de travail? ក្នុងលិខិតទាំងពីរនេះខ្ញុំមិនបានដឹងហើយមិនអាចបញ្ជាក់បានទេព្រោះសិមមកនៅឃុំញ៉ាងញងហ្នឹងខ្ញុំទៅនោះបានទៅហើយតែមានមកនៅហ្នឹងក៏ខ្ញុំចេញពីហ្នឹងទៅទៅហើយនេះសូមជម្រាបដោយស្មោះត្រង់ក៏មិនអាចសម្រេចថាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាបានទេក្នុងលិខិតទាំងពីរនេះ D'accord, mais est-ce que les communes avaient reçu pour instruction du district ou du secteur de faire des rapports sur les personnes qui se plaignaient du manque de nourriture ou des conditions de travail? បានអ្នកដែលរអ៊ូរត់តាមអ្នកថាធ្វើការពិបាកយើងប្រជុំធ្វើការងារសតិអារម្មណ៍ឲ្យគាត់យល់អំពីកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាបានអត់ដែលបញ្ជូនរបាយការណ៍ទៅស្រុករាសូមជ្រាប
Qui était le SIM qui a signé ce rapport de la commune de Nianyang en octobre 77, à une période où vous avez dit que vous étiez encore sur place? ឆ្លើយម្ដងទៀតថាស្អីក៏មិនឆ្លើយពាក្យកដាលដាច់មិនបានប្រត់មកក្បាលមីក្រូហ្វូនអត់ប្រត់បត្តិការបាទសូមជម្រាបថាឈ្មោះសឹមហ្នឹងជាមេឃុំញ៉ាងញ៉ង Chúng ở bàn nơi chỉ mùi quá đi, chúng tôi bắt đây. Très bien, je ne parle pas de la commune de Sri Ronong et de votre rôle de chef de commune, mais fallait-il que les communes, à votre connaissance, fassent des rapports concernant les personnes qui tentaient de fuir le Cambodge? ជាយឹមរត់ចេញពីកម្ពុជាទេបញ្ហានេះបើមានគេអាចធ្វើរបាយការណ៍ទៅស្រុកប៉ិនបើឃុំណាអត់មានអានឹងជាធម្មតាទៅឃុំណាដែលមានពិតជាគេធ្វើរបាយការណ៍ទៅស្រុក Très bien, j'ai trois exemples de ce type de rapport que je voudrais vous montrer et faire afficher à l'écran, Monsieur le Président, avec votre autorisation. Il s'agit des documents D157.90, E3-2453 et E3-2452. Donc le premier document nous vient de la commune de Nianyang. C'est une page unique, je ne cite pas d'Irène. Il s'agit d'un rapport daté de fin novembre 77. Sur l'interrogatoire d'un jeune arrêté dans la commune de Nianyang et qui avait tenté de fuir au Vietnam. Le rapport explique que les soldats du district ont tiré 3 balles avant de parvenir à l'arrêter, après quoi il a été envoyé au centre de rééducation de la police du district. Le deuxième document, E3-2453, la page concerné en Khmer, c'est 00270779. En anglais, 00388582. Et en français, 00611772. Là, il s'agit d'un rapport établi par Kun le 13 octobre 1977. Chef de la commune de Sri Ronong, il adresse ce rapport au parti du district concernant un agriculteur qui avait fui la commune, puis avait été capturé dans le district 107 et renvoyé à Sri Ronong. Et enfin, document E3-2452, IRN en Khmer 0027-0998. En anglais, 00843036 et en français, 00872836. Et là, c'est le document que je vous ai montré au début, c'est-à-dire un rapport partiel daté du 8 octobre 1977, établi à Sri Ronong par un certain Nov, faisant rapport concernant une personne du peuple nouveau du district 109 qui avait déserté son unité de Sri Ronong et s'était rendu à Leibo. Alors ici, on a 3 exemples de rapports de communes qui vous concernent. Quels étaient
Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y avait des comptes rendus qui devaient être envoyés au district. Quelles étaient les instructions précises du district concernant les personnes qui tentaient de fuir le Cambodge, notamment en raison des conditions de vie et de travail qui y régnaient? បាទសូមអរគុណលោកប្រធានអ្នកតេតតូននឹងការប្រើប្រាស់ឯកសារចុងក្រោយរបស់សាព្រញ្ញាអន្តរជាតិរងបានលើកថាឯកសារនេះធ្វើឡើងដោយឈ្មោះនៅក៏ប៉ុន្តែសាកសីបានឆ្លើយបញ្ជាក់នៅពេលដែលសួរកន្លងនេះថាគាត់មិនអាចបានថាជាអ្វីទេហើយក៏មិនដឹងថាជាឯកសារនេះធ្វើឡើងដោយអ្នកណាដែរ Je n'ai rien déformé, Monsieur le Président. Je n'ai pas dit que c'était lui qui l'avait signé. Il nous a donné son explication concernant l'auteur du troisième document. Ma question est beaucoup plus générale. Il s'agit de trois rapports établis dans les communes où le témoin a habité et travaillé. Et je pose la question de savoir s'il y avait des comptes rendus qui étaient envoyés par les communes, quelles étaient donc les instructions du district concernant les personnes qui tentaient de fuir le Cambodge en raison notamment des conditions de vie ou de travail auxquelles ils étaient soumis. អញ្ចឹងពោះសំរុននេះហើយសំរុននេះគឺមានមូលដ្ឋានធំទ្របដែលអង្គជំរះក៏បីស្ដាប់ចម្លើយតបរបស់សាក់សីទៅនឹងសំរុននេះសូមសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរដោយសាព្រញ្ញាចុងក្រោយអមិញមិញនេះរំលោចុងក្រោយនេះខ្ញុំបានជម្រាបរួចម្ដងហើយ ថារឿងនេះខ្ញុំបានមិនដឹងទេហើយអសរនេះក៏មិនមានជាអសររបស់ខ្ញុំហើយបើឈ្មោះពិតប្រកបដែរក៏នោះខ្ញុំនៅសែនោងហើយមិនប្រកែកទេពិតជាឈ្មោះរបស់ខ្ញុំឯទី2និងទី1នេះគឺខាងញ៉ាញងខ្ញុំបានមិនបានទទួលដឹងទេសូមអង្សាវនាការជ្រាប D'accord. Au niveau des réunions, vous participiez chaque mois à une réunion au district en tant que chef de commune. Est-ce qu'on vous a donné des instructions précises, des ordres concernant la nécessité de faire des rapports concernant toutes les personnes qui pouvaient être arrêtées en train de fuir le Cambodge? ការប្រជុំនេះវាមានការប្រជុំជួនក៏មួយខែម្ដងជួនក៏ពីរខែម្ដងទៅដោយយោងទៅតាមកិច្ចការមមាញឹកក្នុងការងារបង្កបង្កើនផលក្នុងរដូវវស្សាអញ្ចឹងទៅវាជុំយូរយូរម្ដងហើយការងារដែលគ្មានការងារចាំបាច់ បំផុតដែលត្រូវធ្វើនឹងគឺប្រជុំបាទមានការប្រជុំនឹងគឺប្រជុំនឹងគឺណែនាំអំពីរឿងធ្វើស្រែឲ្យបាន3តោនដោយខ្ញុំជម្រាបខាងដើមអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យបាន3តោនកម្មាភិបាលត្រូវចុះប្រឡូកក្នុងចលនាបង្កបង្កើនផលនេះជាទ្រឹស្ដីរបស់តំបន់ភូមិភាគបាទសូមអរគុណ Merci
Merci, monsieur le témoin, ce n'était pas la question. Je voudrais savoir, au niveau du district et lors de ces réunions une à deux fois par mois, est-ce qu'on abordait les questions de sécurité? On ne parle pas d'agriculture. Au niveau de la sécurité, est-ce qu'on disait précisément aux chefs de commune dans quel cas il fallait faire des rapports au district concernant les questions de discipline ou de sécurité, et notamment les personnes qui tentaient de fuir le Cambodge? ពីយមរត់កិច្ចចាញ់ពីប្រទេសកម្ពុជានោះតើគេមានណែនាំមកច្បាស់លាស់ទេបាននៅខាងក្រុមនេះមិនមានដែលគេប្រជុំសបស្រាយថាចំពោះអ្នករត់ចាញ់អីគេអត់មានការនិយាយទេបាទខ្ញុំមិនដែលបានដឹងហើយក៏មិនដែលបានឮដែរបាទសូមអរគុណ Vous avez dit que les communes étaient chargées de faire des rapports sur les personnes qui tentaient de fuir le Cambodge. Pourquoi les communes faisaient-elles des rapports s'ils n'avaient pas reçu d'instructions préalables? ว่ากรุบแบบយ៉ាងទាំងអស់ចឹងការងារសន្តិសុខបើយើងអត់មានហៅថាប្រជាពលរដ្ឋចង់រត់ចាញ់អានឹងយើងអត់ដាក់ទៅបើការងារនឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់រត់គេចវិសអីយើងសរសេរជាលេខអក្សរទៅតាមនឹងហើយខាងយើងក្រុមនេះមិនសូវបានសរសេរទេច្រើនតែ Vous avez dit à la réponse 68 de votre audition, procès verbal d'audition បាទអង្គជំរះសូមអរគុណចំពោះលោកហនុតនៅដំណើរការសាកស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់លោកនៅក្នុងឋានៈជាសាកសីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃទី 6 ខែដំណើរការសัปดาห์នេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះហើយលើចំពោះការស្ដាប់តែខេកកម្មរបស់លោកព្រោះអង្គការតុលាការមានកិច្ចការមួយចំនួនភាសាជាមួយភាគីទៀតដូច្នេះលោកអាយវើត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលលោកថ្នាក់នៅបានហើយហើយមន្ត្រីរដ្ឋបាលការត្រួតត្រាជាមួយនឹងបុគ្គលិកអង្គភាពកោពីសាក់សីនិងអ្នកជំនាញជូនលោកនុតនៅបើត្រឡប់ទៅកាន់កន្លែងដែលគាត់ស្ថិតនៅវិញចុះនឹងសូមអោយអញ្ជើញគាត់ត្រឡប់មកចូលរួមសัปดาห์នេះក្នុងបន្
I'm not sure if there is much more to add than what I already said. You're right, in a spontaneous request earlier last month. But I might reiterate that for me and for my team, it was extremely helpful to not only have been able to study the maps that were drawn by the investigators and the photos that were made, but actually to be able to see the site. It's almost, well, the comparison may be a little strange, but it's almost like you wouldn't buy a house based on a map of the house and some photos. You would like to actually see it. And once you see something, especially this crime site, it is extremely helpful in understanding all kinds of issues. One issue, for instance, and I think I mentioned that earlier, is that we can read in the closing order that it is alleged that probably around 15,000, or allegedly around 15,000 people were executed at Bangtan. It is our contention, and that is also we'll write that in our closing briefs at one point in time, but it is, I think, physically completely impossible to have 15,000 corpses lying in pits on that grave site. Now, you can make that calculation based on statistics, forensic calculation methods, etc. But if you're actually on that site, this is one of the things that will immediately come to your attention. There are all kinds of other issues that have been discussed in the last months. Positions of the gate, the position of the foot of the mountain. So there's all kinds of issues which technically you could decide, or you can make conclusions on paper. However, in reality, when you actually see the crime site, when you see Krang Tae Chan, many issues become much clearer. And then I think it will also become clear, and that was the reason why we made that spontaneous request, that the witnesses were saying, were giving testimony to executions, torture, etc., on the crime site. And the ones, especially guards, were saying, well, we didn't see anything, we weren't able to notice anything. That to me seems not very credible, that these two scenarios could coexist together. I presume that I'm reiterating my earlier comments on this issue. However, there are also other issues that are irrelevant. There are things that could be investigated by the trial chamber, things that we are unable to actually investigate. For instance, there is a stupa on that site containing skulls of people allegedly killed there. We tried to make a calculation of how many skulls we could see. That could potentially be an indication of people that were executed there. I don't know. Was Krang Tae Chan indeed a grave burial site, as is reported in post-1979 reports? That is something that we cannot verify. We have tried to ask that to witnesses, but maybe the trial chamber, while investigating and while being accompanied by the local authorities, could come up with answers. I don't know. But I suppose the most important underlying reason for this request is that, in our experience, I think prosecution must agree with this, that it is a huge difference in actually seeing the site, walking on the site, seeing the buildings, although they are not authentic anymore, and try to be able to evaluate the things in a proper way. So, technically, you're right. There is a drawing, but it's the difference between day and night, and that's why I think it is very worthwhile to the ascertainment of the truth that the trial chamber visits
the site by itself, accompanied obviously by the parties. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais rajouter quelques choses à ce que j'ai dit la dernière fois. J'avais dit qu'en principe, c'était intéressant en général pour les sièges de tribunaux de se rendre sur place. Ici, il y a tout de même différents problèmes. Première chose, il y a un site d'identification, un rapport d'identification du site, pardon, qui est au dossier et qui est extrêmement complet, avec données GPS, avec des tas de photos qui sont jointes. Un plan qui a été fait sur base des différents lieux qui ont été désignés par le témoin qui accompagnait, la partie civile qui accompagnait en tout cas les enquêteurs. Et d'ailleurs, je note qu'aujourd'hui, la défense se réfère à ce plan comme étant intéressant, alors que pendant toutes les audiences, il a préféré utiliser, le plan établi par un gardien qui était où le nord se trouve au sud, le sud au nord, peu importe. Grâce à ces photos, je crois qu'on a une bonne idée, parce que la partie civile montre un certain nombre d'endroits qui n'existent plus aujourd'hui. Il y a bien sûr encore des traces de fosses, mais concernant les bâtiments, ça ne sera pas utile d'aller sur place, il n'en reste aucun. Les bâtiments qui ont été construits après sont peut-être ceux que la défense fait référence, mais en tout cas, ce n'est pas ceux qui existaient à l'époque. Je ne vois pas très bien concernant les bâtiments en quoi il serait utile d'aller sur place et de perdre une journée de temps dans la chambre pour cela. Quant aux fosses, j'ai entendu plaider la défense de Nunchia, dire qu'il ne pouvait pas imaginer que 15 000 corps auraient pu être contenus à l'intérieur du site. Je crois que tout le monde a très bien retenu un témoignage précis qui disait qu'à partir d'un certain moment, il n'y avait plus de place à l'intérieur du site et que les corps étaient ensuite acheminés vers l'extérieur du site, en tout cas vers l'extérieur de la première clôture. Autre chose concernant la visibilité qu'on pourrait avoir du lieu des exécutions, du lieu d'interrogatoire, ce bâtiment n'existe plus. Et puis les arbres ont changé. Ce n'est plus les mêmes arbres qu'à l'époque. Et donc, je ne vois pas très bien non plus en quoi un déplacement sur place pourrait vraiment être déterminant et ajouter beaucoup de choses par rapport au rapport d'identification du site établi par les juges d'instruction. Donc si, en principe, il est toujours utile de se rendre sur place pour se rendre compte des distances, de ce qu'on peut voir sur un site de crime, ici, il ne semble pas qu'il y ait une valeur ajoutée à se rendre sur place par rapport au rapport qui est déjà au-dessus. Pardon. Merci, Monsieur le Président. Nous n'avions pas tellement eu l'occasion de nous exprimer lors de la requête qui avait été formulée par notre confrère à l'audience. Pour notre part, nous nous opposons à cette demande de déplacement. Nous considérons qu'elle est tardive. Nous sommes quand même dans un dossier avec une instruction qui a duré plusieurs années, à l'occasion de laquelle la défense de Nguyen Chea avait mille opportunités de demander ce déplacement. Il aurait pu le faire à l'époque, il ne l'a pas fait. Nous sommes dans un cadre procédural où pour que vous puissiez justifier de l'utilité d'un déplacement de la Cour sur place, il faudrait à mon sens que vous justifiez d'un élément nouveau par rapport à l'instruction qui vous permettrait de penser qu'aujourd'hui c'est utile alors que ce ne l'était pas à l'époque. Et puis enfin, notre confrère du bureau du procureur vous l'a dit, et je peux en attester parce que nous nous sommes nous-mêmes rendus sur le site de Klatai Chan, aucun des bâtiments
ne sont d'origine. C'est un projet qui a été reconstitué par une ONG qui s'appelle Youth for Peace, qui a reconstruit les bâtiments. Donc se rendre sur un site où les bâtiments d'origine n'existent plus me semble dénué de pertinence à ce stade-ci du procès. Vous devrez nécessairement mettre en balance l'utilité pour la manifestation de la vérité et la lourdeur d'un déplacement sur place de la chambre, des greffiers, de la défense, du procureur, de nous, on ne parle pas d'une journée, on parle de quelque chose de beaucoup plus lourd. Donc pour se déplacer sur un site dont les bâtiments d'origine n'existent plus, cela me paraît complètement contraire à la manifestation de la vérité. Quant au fait que deux scénarios s'opposent dans ce dossier, il me paraît quand même plutôt normal dans un dossier de criminel que deux versions s'opposent. Il n'est pas fou de voir des victimes opposer leur version à des gardes, à des bourreaux ou à des auteurs présumés. Et c'est tout le travail du tribunal de trier le vrai du faux et de forger sa propre conviction sur les témoignages qui vous sont livrés à l'audience. Donc là encore, le fait que deux scénarios vous soient présentés lors de ces audiences ne me paraît pas nécessaire pour justifier un déplacement sur site, parce qu'encore une fois, la défense de Nguyen Chea avait tout loisir de le faire au niveau de l'instruction. Si nous commençons à nous rendre sur place à Krai Thai Chan, alors ce sera pareil pour Kampong Chhnang Airport, puisque nous avons aussi la possibilité de nous rendre sur site. Donc si vous créez un précédent, il faudra le motiver de telle manière que les parties par la suite n'aient pas l'envie de faire des demandes systématiques pour nous rendre sur les sites que nous examinerons au fur et à mesure du procès. Nous sommes toujours favorables à des déplacements sur les sites, ne serait-ce que pour cette question de fausse qui effectivement pose une véritable difficulté, M. le Président. ហើយជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះសូមជម្រាបជូនភាគីនិងសាធារណជនថាសកម្មភាពនៅថ្ងៃនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះថ្ងៃច័ន្ទអង្គជំរះនឹងបន្តស្ដាប់សេចក្តីកម្មសាកសីអនុត្តនៅអង្គជំរះបានជម្រាបជូនរួចហើយអំបីមិញនេះហើយថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះអង្គជំរះនឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សេចក្តីកម្មមួយចំនួនដែលសមស្របដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងការវិភាកសកម្មភាពដែលអង្គជំរះជម្រាបជូនភាគីរួចមកហើយ នៅក្នុងនោះគឺសាកសីដែលមានហៅជំនាញពី TC W បំបីរយ60និង TC W បំបីរយ25ហើយអង្គជំរះក៏នឹងជម្រាបជូនភាគីតាមរយៈអ៊ីមែលដោយមន្ត្រីច្បាប់ជាន់ខ្ពស់នៅរុស្ស៊ីនេះផងដែរដើម្បីជាការបន្ថែមលើការជូនដំណឹងនេះហើយមួយទៀតអង្គជំរះសូមចំពោះសូមបញ្ជាក់នឹងជម្រាបជូនភាគីជាពិសេសម្ចាស់សំណើគឺមេធាវីការពារក្តីនួនជា ចំពោះសំណើសុំរបស់លោកមេធាវីការពារក្តីនួនជាសូមឲ្យអង្គជំរះផ្អាកធ្វើសកម្មភាពរយៈពេល6សប្តាហ៍ដើម្បីខ្លួនមានលទ្ធភាពអាចវិនិច្ឆ័យវិភាកឯកសារថ្មីៗអានមានលទ្ធភាពអានវិនិច្ឆ័យវិភាកឯកសារថ្មីៗដែលបានដាក់ដោយសហប្រេញ្ញាគឺបណ្ដាឯកសារដែលយកចេញពីទំនរឿង 003និង 04 និងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណើនេះអង្គជំរះនឹងចេញសេចក្តីសម្រេចលើសំណើនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះសូមជ្រាបដោយសារស្ថានភាពនៃបញ្ហាគឺមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញដោយមានការពាក់ព័ន្ធដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីដើមសប្តាហ៍អញ្ចឹងគឺពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ទៅនឹងអង្គភាពសហជ្រក្រមសើបអង្កេតអន្តរជាតិ ដែលមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនគឺអង្គជំរះបានធ្វើសំណើសុំដោយផ្អែកលើសំណើភាគីដូច្នេះគឺមិនទាន់មានលទ្ធភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទីហើយឯកសារហ្នឹងក៏មានបញ្ហា
ចំនួននឹងក៏វាមានបញ្ហាកើនឡើងច្រើនដែរដូច្នេះអង្គជំរះនឹងពិនិត្យពីបញ្ហានេះនៅក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះហើយនឹងសម្រេចចេញដូចសម្រេចជូនភាគីជ្រាបនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយនេះសូមភាគីជ្រាប បាទហើយសកម្មភាពថ្ងៃនេះដល់ពេលជប់សម្រាប់ហើយហើយអង្គវាប្រកាសផ្អាកកិច្ចចំណើការសកម្មភាពសម្រាប់ថ្ងៃនេះត្រឹមនេះសកម្មភាពលើកទៅបន្តធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទទី ប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនចាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអវតកវិញចុះនិងប្រកបឲ្យនាំខ្លួនគាត់ទាំងពីររូបត្រឡប់មកចូលរួមសកម្មភាពវិញនៅថ្ងៃច័ន្ទទី 16 ខែមីនាឆ្នាំ 2015 ដើមសប្តាហ៍ក្រោយនេះឲ្យបានមុនម៉ោង 9 ព្រឹកសម្រាប់ចុះសូមជើងក្រោកខោ